Et non, ce n'est pas le son qui bug, c'est nous qui nous taisons. Et oui, parce que la nuit, on est roleplay. Ah, bonjour les gens. Bonjour Caroline. Bonjour. Allez, je sais pas où elle est ta Caroline. Mais c'est ma copine. Depuis hier, là. Mais... Caroline... Elle va juste stalk devant Pierre et tu la chopes quand elle sort. Hein. Personne qui peut lui dire où est-ce qu'elle est, c'est Caroline. Mais non, mais... Mais elle, ils habitent tous ensemble dans la même maison. Bonjour le lapin, bonjour la poule, bonjour le canard, bonjour la... Y'a personne qui a ramassé les pops. Oh les colocs, c'est une ancienne émission sur M6 façon Loftory, c'était nul. Vache. Bonjour la vache, bonjour le chef, bonjour le mouton, bonjour le chef, bonjour le mouton. Bonjour les poules, bonjour. Eh, dites-vous, bonjour que... dites-vous que Nino ne dit pas bonjour aux animaux par leur prénom. Si elle a dit à la fin bonjour Joséphine. Bah alors, pourquoi t'es pas sorti mon petit lapin? Qu'est-ce qu'il y a, Bunny? Bunny a l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Allez, Bunny, dehors! Allez, Bunny! Ça, c'est fait. Ah, mais ça pousse tous les jours, ce machin? Et tu crois quoi? Mais tu, en gros, c'est... tu peux ramasser du houblon tous les jours? Tu fous dans la boîte, les bastards? Ça fait l'argent, tu vois, ça fait l'argent. Ah, l'argent. Les gens, ils disent l'argent, ça pousse pas sur les arbres, ben ça pousse sur mes arbres à moins cher. Les animaux crossés aussi, ça pousse. Hein. Ah mais ça, attends, mais ça c'est quoi? Si ça c'est du houblon, ça c'est quoi? Alors j'ai une proposition d'investissement financier à et faire. Et c'est un nom. Ah, ça, ça commence. C'est du café. Ah, ouais. C'est terrible. Alors Nino, si tu parles de Bitcoin. C'est en train de se casser la gueule, c'est pas le moment d'investir. Bah ça dépend, si Elon Musk dit que c'est bon. Ah oui, bah Elon Musk, ça fait une semaine qu'il a dit « Ouais, bah c'est nul !» Et donc, bah, sans déconner, hein, le Bitcoin, il était à 50 000 euros le Bitcoin, il est passé à 30 000. Aïe, 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 coup dur. Ouais, coup dur pour les Bitcoiners. Il est trop bien ton arrosoir. T'as peut-être qu'il paierait des cartes graphiques, tu me diras régler tous les... Ah, super, on va peut-être avoir des PS5, lol. Est-ce que je parle de mon investissement? Vas-y, vas-y, j'allais te dire, justement, Nino, tu voulais nous dire. Je vous propose d'agrandir la partie animaux. Ah. Moi, je propose de trouver Caroline, c'est gratuit. Allez, on peut le faire, hein. Je pose des appâts pour des homards. Et, des appâts? Ouais. Des appâts? Animaux. Pensez à ramasser les pommes. Mais pourquoi agrandir les animaux, dis-moi? Pour avoir plus de flouze. Attends, on n'a pas de sous parce que tu as grandi. On gagne des sous. L'hiver, y a qui? L'hiver arrive, l'hiver va être rude. Winter is coming. Qui va nous faire de l'argent cet hiver? C'est moi, c'est Bibi. C'est les mayonnaises. Bah, j'ai une serre aussi, hein, tu sais, je vends du café et tout. Mais tu produiras jamais autant que mes animaux. Ça, c'est vrai. Allez, mais c'est pas gentil. Le défi est lancé. Vas-y, ah, j'ai trouvé Abigail et pas. Caroline, c'est quand même dommage, mais elle est où? Peut-être la prochaine fois. J'en peux plus, il faut que je refais le tour du village. C'est faux, elle fait le tour inverse de ce que je fais et puis je la vois pas. Ça, merci en fait. Pour le raid de Wedjos. Wedjos. Coucou Wed. Comment on prononce? Wed. Wedjos, d'accord. Bonsoir Wedjos, comment ça va? Comment vas-tu? Installe-toi. Et c'est poète. Et t'es reparti pour ton blabla associatif. Attends, tu fais slash. Non, c'est point d'exclamation, et... Alors, pour les gens qui viennent d'arriver. Donc, bon là on est en stream sur Stardew comme un lundi sur deux. Déjà bonsoir, ça peut... bonsoir, salut, coucou. Alors vous êtes sur... bon, il y a différents streams sur Stardew en air multi, mais sinon vous êtes là sur Ivasan Studio. C'est une association toulousaine qui produit, qui fait des ateliers socio-professionnels autour de la des outils de la radio, de la reprise de confiance en soi, maîtrise de la voix, etc. On produit aussi du contenu radio sur plein de thèmes pour nous-mêmes, de la bande dessinée, de l'environnement et du jeu vidéo, bien entendu. Il se trouve que ce qu'on fait en termes de radio et de jeux vidéo, c'est pas ça qui nous finance. On gagne quasi rien sur YouTube et sur Twitch. Vous comprenez la logique. Normalement, ce sont les ateliers, sauf qu'avec la crise Covid depuis un an et demi, on n'a fait quasiment pas d'ateliers, très peu, vraiment très peu par rapport à d'habitude. Et du coup, on a un creux, on a un trou dans les caisses. Et il faut le combler, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le crowdfunding là maintenant.
pour mieux anticiper leur entrée prochaine, pour combler ces frais de fonctionnement. Du coup, on a 30 jours, 35 jours en vrai, pour atteindre 2500 euros sur la campagne. C'est faisable, bien sûr, c'est faisable. Si on fait moins, ça rentre quand même dans la caisse de l'assaut, parce que c'est le deal avec la plateforme. Si on fait plus, tant mieux. Si on fait plus, on a de jolis projets, de jolis rêves. Et on espère que... Bah, déjà, atteignons 2500 euros, et si on va plus loin, tant mieux. Alors bien sûr, il y a des petites contreparties, des petits stickers, des porte-clés, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à la campagne qui est dans le chat. Oui, qui est dans le chat. Je la mets de suite. Tac. Et sinon, pensez à bah, rejoignez-nous sur Discord. On peut un papoter sur Discord, que ce soit à l'écrit ou un peu plus tard à l'oral. Suivez les différents streams, etc. Voilà. C'est bon, t'as trouvé Caroline ? Oui, je cool. Te donne la citrouille, je te la balance au visage même. Ok. Ça y est, j'ai perdu tellement de temps, j'ai acheté plein de graines. Tu me vois balancer la citrouille, c'est ça ? Tiens, mange-la, ma citrouille. Alors, c'est quoi qu'il faut améliorer ? Apparemment, les animaux. Alors, les animaux, je propose soit une deuxième grange, soit un deuxième poulailler, et on est reparti pour racheter les animaux. Attends, attends, l'idée c'est d'acheter un nouveau bâtiment, c'est ça, on peut pas agrandir un existant. Non, je crois qu'on est au max. Voilà, je me souvenais plus, donc on achète un bâtiment, d'accord. Alors, attends, 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 soit ça, on en est où sur le clapier slim, parce que je vous rappelle qu'on a débloqué ça aussi. Bah il est posé. Pour l'instant il incombe. Dans amélioration là, elle me sort un truc que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Elle me fait de quoi ? Tu veux construire une maison pour Pam ? C'est une idée géniale ! Et je réponds oui ou non. Je sais pas qui c'est Pam. Pam elle vit dans la. Je crois que Pam c'est la dame du bus. Oui, vous n'avez pas assez d'argent. Vous n'avez pas assez d'argent, on a 106 000, mais ça va coûter combien ? Elle vit dans une caravane. Je crois que c'est elle qui vit dans la caravane, Pam. Elle va nous ruiner. Après avoir elle va nous ruiner, Pam, tout ça, parce qu'elle est super grave. Après avoir amélioré au maximum la maison de ferme et complété le centre communautaire, le joueur peut acheter une amélioration communautaire Robin à la Syrie pour 500 000 PO et 950 unités de bois. Robin construira alors une nouvelle maison pour Pam. Notez que seulement le joueur hôte en multijoueur est capable d'acheter cette amélioration. Lorsque la maison est construite, une cinématique se joue durant laquelle le joueur peut choisir entre avouer à Pam qu'il a payé pour sa maison ou rester anonyme. Dès que la maison est construite, son emplacement sur la carte peut changer de caravane à deux chemins de la rivière. Mmh. Et c'est combien, t'as dit ? Son adresse passera à Pelicanville. C'est 500 000 PO. 500 000 ? Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les chats ? Faites des dons. Hein. 500 000 ! On est encore là dans 10 ans, hein. Je le dis, moi. Bon, du coup, de toute façon, c'est tranché, on n'a pas l'argent. Du coup, qu'est-ce qu'on achète ? Une grange, un poulailler ? Faites vos jeux, vite. Bah, c'est Nino qui gère, hein. C'est pour un profit hivernal. Un poulailler. Un poulailler, c'est parti. Allez, construire. Ouais, on va avoir des lapins. On va peut-être. Alors, tu peux déplacer les bâtiments avant de... Ah, trop tard. Dis-moi où je le pose et on dépassera demain parce que la madame, elle est partie. Tu peux le poser, du coup ? Ouais, attends, c'est quoi ? Il y a une extension. Oh, je vois des trucs dans le chat, mais... L'horloge dorée ? C'est l'objectif de fin de partie avant de passer à l'extension. Alors, tu le colles au premier. Pardon. Quelle extension ? Oui, on a DLC sur Stardew. Mais quelle extension ? J'ai pas entendu. Descends-le d'un cran ! D'un cran ? Oui. Ah bon ? Oh là là. Mais ça va faire un trou avec le silo. Ouais, pause. Arrête de poser des questions. Oui, madame. Je veux la construction de A poulailler, oui. Oui, de A poulailler. Oui, A poulailler, il est vu. Non, sérieusement, il y a une extension ? Mais je sais pas. Non, mais sûrement une. C'était gratuit, j'imagine. Un contenu de mise à jour, quoi. Parce que. Oui, c'est pas pareil. Une mise à jour extension, c'est pas pareil. Et même, enfin, je vois passer le mot horloge dorée. Qu'est-ce que c'est que ça, horloge dorée ? À quoi ça sert à remonter le temps ? Apparemment, ça coûte très cher. En même temps, elle est dorée. Attends. Parce que si la maison est à 500 000 et qu'on dit, oh mon dieu, c'est hyper cher, que Ilanora nous dit, attendez, découvrir ce prix-là, ça veut dire qu'on va s'étouffer, et que le bâton de téléportation est à 2 millions. On a un problème aussi. Oui. Sam est devant
En fait, quand tu rentres chez toi, il est devant la porte d'entrée, on peut pas aller se coucher. Attends, j'arrive, je vais lui faire un bisou. Vraiment. Mais va-t'en. Mais. Mais on peut pas. J'arrive. Je lui ai parlé 20 fois, il veut pas bouger. Mais c'est un idiot bête. T'as pas choisi le meilleur, hein. Il est entre. Ah, il est à sa place. Il est entre les deux plantes vertes à l'entrée. Mais non. T'es méchant. Regarde, mais regarde, il est gentil, il veut me proposer un massage. Mais je m'en fous qu'il bouge. On est bloqué. Ah mais tu peux enlever les plantes. Ouais, mais non, tu peux pas enlever Sam. Non, c'est bizarre ce jeu. On se fait troll par mon amoureux quoi. Bah il va se coucher vers 21h-22h, c'est beau. Ah, il nous en et les pommes alors. Oh là là, il faut récolter les pommes, comme ça il y en a d'autres qui poussent. Eh bien, tu les pendant que la moto fait du bruit dans la rue. Et Yaki, tu devrais faire comme moi, tu devrais rentrer chez toi. Où c'est ça, vrai, ça. On peut faire un pylône de téléportation. La 1.5 a été ajoutée. Ah ouais, donc il y a vraiment un gros contenu qui a été ajouté par la suite, ouais. Donc en fait, on n'a pas fini ce jeu, mais on est là pendant combien de mois encore? Oh, on va se dire 10 ans, hein, écoute. Ça va? Il est pas bougé. Pas le temps. Moi, je voulais me marier avec Harvey. Bah du coup, tu auras plus de temps, c'est cool. Non. C'était hier, le mec chiant. C'était hier, le mariage. Merci pour le follow, c'est gentil. Pas de chance, alors. Il y a Arc-en-Ciel, il y a Loulou qui dit au salon tout du Dofus. Non, attends, quoique, qu'est-ce qui dure le plus longtemps? Stardew Valley ou Dofus? Ah, je sais pas, en vrai, les deux sauvages. Pendant que Nino a volé déjà une chicha. Déjà, le problème. Faut pas le dire! Le problème avec Dofus, c'est que l'expérience pour passer du niveau 199 à 200, c'est l'expérience cumulée pour arriver à 199. Oh la joie! C'est très long. Ouais, c'est. Infini même. 220 heures sur Steam. J'ai envie de crever. 220 heures? Ah ouais. Tu vas me dire, à coup de 3 heures par stream, tu divises 220 par 3, ça fait. Bah là, on doit être à. 73 heures. 73 streams, pardon. 3,333. Ça fait beaucoup. Surtout le virgule 3333. Mais Eleanora, voilà, mais la question est, est-ce que tu jouais solo ou est-ce que tu étais en multi? Parce que ça peut changer des choses. Non, parce que nous on est 4 et on y va à notre rythme. Ouais, alors, mais on est 4. On est 4. Quand tu vas voir l'état de la journée, genre à deux gold là. Vous avez vendu un caillou. Ouais, bravo. Un caillou. Ouais, j'ai 170 pierres, cela dit, à vendre. Hey. C'est pas mal, ça fait 170 bubis. T'étais en solo, d'accord. Mais que des fois, ouais, donc en vrai, ouais, t'avais laissé de la FK, quoi. Ok. Vous êtes pas très bavard, il fait pas. C'est pas encore la nuit. Bah, moi, je suis déjà au lit, donc. Moi aussi. Oh, minuit 30. Ah, attention, suspense. Est-ce que Imra va rester en vie ce soir? Faites vos jeux, faites vos paris. Rien n'est moins sûr. Et c'est la mort qui t'a emporté, Imra. C'est la mort qui va taxer nos impôts, Imra. J'espère que Sam y dort, hein, parce que s'il te voit la porte, ça suffit. Non, il dort, il est avec moi, t'inquiète pas. Il m'a fait un bon massage, là, je suis ravi. Mais tu veux pas les détails, mais tu veux rejoindre dans notre lit quand même, hein? Ah non, je suis pas dans le vol. Non, mais Imra. Oh, cinématique. Oh. Ah, ils ont fermé parce qu'on l'a défoncé. Ils vont le raser pour. Oula! Il va y avoir des zombies. Et il y a eu un petit message, je sais pas si vous avez vu, mais apparemment il y a un slime adulte qui a éclos. Oh. Ah bon? Oh, ça, c'est bien, on va pouvoir le fermer. Ouais, bon, il se passe des choses au marché capitaliste là. Oui, mais c'est peut-être pour ça, la maison de Pam, en fait, ils vont raser le magasin, ils vont mettre Pam à la place. Ah. Elle va avoir un manoir. Je sais pas. Non, mais que dalle, ça sera mon manoir. Oui, mais est-ce qu'il sera comme ça, hanté? Manoir, hanté.
Allez, rendez-vous au prochain épisode.